On peut savoir pourquoi tu t'es battu avec ce flic? Mais comment tu voulais que je sache que c'était un flic? Il était à moitié à poil! D'accord, alors qu'est-ce que tu faisais dans cet hôtel? Je suis en vacances de ton père. Eh, hey, casse-toi de là, va discuter ailleurs, là! Tu veux pas regarder la route un peu? Pourquoi t'as pas pris l'autoroute? J'ai un rendez-vous. Bonjour Timoko, moi c'est Olga. Tu crois vraiment que t'as l'âge pour adopter un enfant? Mais qui te parle d'adopter? Papa, il en dit quoi? Ton père, je lui parle plus. Jacques! Jacques! C'est pour moi l'ambulance? L'intention est charmante. Salut papa. Salut mon fils. Je te présente Timoko. Salut. Bonjour monsieur. T'as qu'à l'appeler Pépé, ça lui fera les pieds. Je pense que je vais rester ici quelques jours. Tu caches ta mère. Tu remarqueras que je pose pas de questions. Je me demande juste combien de temps tu vas tenir. Parlez-moi, lui. Franchement, comment tu le trouves? Il fait des trucs bizarres. Maintenant, il sourit tout seul. Et il transforme tout en lampe. Quand même pas lui reprocher de s'être calmé, quand même. Il écoute Nicole Croisille. Jean, il pète, oui ou non? Aux champignons, c'est pas très gênant. Hein. Non, mais chez le boucher, ça nous rend populaire. Tu vois, le plus important aux champignons, c'est de quoi pique-nique. Et nous, un bon coin, on en a. C'est beau, la nature. Ma tartine? Pourquoi tu lui donnes ma tartine? T'as qu'à lui en faire une autre. Mais t'as quel âge? Tu ferais mieux de finir ton kiwi. Cet enfant doit être rapatrié à la frontière avec sa mère. Il doit aussi me rester quelques noms de juifs. Ça vous intéresse? Je suis avec toi, le papa. Le premier qui s'approche, je lui broie les couilles. Tiens, parle-moi plutôt de la fille des champignons. Pas du tout mon genre. C'est quoi ton genre? Les femmes exceptionnelles.